Edinson Cavani, un joueur dont il faudra surveiller la prestation de près. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs, il semble être en pleine confiance ces derniers temps. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Alors on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Il va faire jouer son équipe en 5-2-3, un schéma très défensif. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Diego Costa. Chelsea qui se rapproche du but. Ah, il avait tenté la talonnade, mais ça ne passe pas. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Blaise Matuidi. Oh, ce petit ballon lobé, hélas, pas assez appuyé. Ouais, touche pour les joueurs de Chelsea. Pedro. L'appel de balle et la passe en profondeur. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Le Paris Saint-Germain qui est opposé à un adversaire qui peut lui poser des problèmes. Moi j'imagine un match assez équilibré, mais c'est intéressant de voir lequel des deux systèmes va prendre le pas sur l'autre, parce que ce sont deux équipes qui jouent de façon assez différente. Pedro. Eden Hazard. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Et la bonne passe! Avec un tir. Voilà, parade magnifique du gardien! Mota. C'est intercepté par Gary Cahill. Diego Costa, allez, qui va reprendre ce ballon. Matuidi. Diego Costa, un petit mot sur ce joueur, Pierre. Il fait partie de ces attaquants qui n'hésitent pas à décrocher, Pierre. Ouais, c'est même un cauchemar pour celui qui doit le marquer, parce que c'est un joueur qui court des kilomètres à chaque match et c'est pas... Et la frappe de Diego Costa. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Marcos Alonso. Pedro. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. En profondeur. Il perd le ballon. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Diego Costa. Et les Blues qui sont. Marcos Alonso. Et le but! Et voilà, ils sont devant avec ce but. Il est bien placé dans la surface et il a le temps de placer son ballon au ras du poteau droit. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Pedro. Le PSG. Bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Marco Verratti. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité, hein, dans cette intervention. Kanté, Diego Costa, N'Golo Kanté. Ouais, peut-être une situation intéressante là.
Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Diego Costa. Oh oui, ça rentre! Pour l'instant, c'est l'équipe qui tente le plus, hein, qui est récompensée. Les deux formations sont assez proches l'une de l'autre, mais il y a un peu plus d'envie d'un côté. C'est ça qui fait la diff. Ça fait 2-0, ils dominent les débats. Hein. Allez, Maria. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Matic, peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, c'est sorti. Attention à cette perte de balle au milieu. Il s'avance vers la surface. Eden Hazard. Le bon appel de balle. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Vous avez pensé quoi de la... La seconde période qui reprend à mi-parcours, ce sont les Blues de Chelsea qui sont devant. Eden Hazard. Marcos Alonso. Kanté. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Oh là là, l'occasion. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Marcos Alonso, contré. Thiago Silva qui dégage ce ballon. Matic. Chelsea qui se rapproche du but. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. Et c'est dégagé par Thiago Silva. Marcos Alonso. Matuidi qui récupère. Edinson Cavani. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ah, il y avait de l'inspiration. Cavani. Et Cavani qui met un terme à cette action. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ouais, touche pour les joueurs de Chelsea. Pedro. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le PSG qui récupère le ballon. Ils construisent, ils font tourner. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Thiago Motta. Ouais, la bonne intention. Cette faute qui donne un coup franc dangereux. Allez, c'est parti. Ah, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. Cahill. La passe parfaitement dosée. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, l'occasion! Kanté. Oh, il peut s'en vouloir, hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Eden Hazard. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer.
ce ballon qui n'est pas donné au bon moment. On le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors-jeu de 15 mètres non plus. Edinson Cavani. Thiago Motta a le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Pedro. Kanté. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, ça combine bien. Oh oui, attention. Il récupère le ballon sur cette interception. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer. Il va y aller. Visiblement, ils ne se contentent pas du score, ils aimeraient bien marquer un nouveau but. Ouais, parfait cette interception. Matic. Et ce ballon qui est perdu. N'Golo Kanté. Ah, bien sûr qu'il ne me semble pas trop grave, Pierre. Oh, le but peut-être. Mais le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Allez, l'occasion de réduire l'écart. Une action qui aurait vraiment pu aller au bout. Il manquait d'application dans le dernier geste, mais l'intention était bonne. Attention, ça peut faire but. Toujours pas d'arrêt pour le gardien qui passe un moment tranquille. C'est incroyable quand même, pas un seul ballon. Ah oui, superbe passe. Les supporters qui poussent leur équipe pour essayer d'aller arracher cette victoire. Ouais, c'est le 12e homme qu'on l'appelle de façon classique. On va essayer de faire la différence dans ce match. On s'approche du but. Oh, c'est dangereux. Ouais, c'est pour le gardien. Ouais, faute, un arbitre a sifflé. Et c'était donc la dernière action de ce match. C'est terminé, ce sont les Blues de Chelsea qui s'imposent. Ce match amical qui se termine et qui se termine bien pour eux.